Avec les outils intégrés au bloc-notes Mimio Studio, il est possible de créer dans une page de tableau ses propres illustrations, dessins et autres schémas. On peut illustrer la méthode à mettre en œuvre à travers la fabrication de ces crayons que l'on pourra utiliser, par exemple, pour identifier sur une page de tableau la zone destinée à l'écriture des élèves. Ce crayon est l'assemblage de trois formes simples créées successivement, un rectangle, un triangle et un cercle. Dans la palette d'outils, on effectue un clic long ou un clic droit sur l'outil forme et on sélectionne le rectangle. On choisit le noir comme couleur de bordure et la plus fine épaisseur. Puis un rouge comme couleur de remplissage. On trace verticalement un rectangle. Dans la palette d'outils, on effectue un clic long ou un clic droit sur le rectangle et on sélectionne le triangle avec le jaune comme couleur de remplissage. On trace le triangle pointe en haut au-dessus du rectangle. Avec l'outil sélection, on repositionne et on redimensionne l'objet. Dans la palette d'outils, on effectue un clic long ou un clic droit sur le triangle et on sélectionne l'ellipse avec le vert comme couleur de remplissage. On trace le cercle à l'autre extrémité du rectangle. Avec l'outil sélection, on ajuste sa position et sa taille. Il faut placer le cercle derrière le rectangle. Le cercle étant sélectionné, on choisit dans la barre des menus Format, Tri, puis Arrière-plan. On sélectionne les trois formes. Dans la barre des menus, on choisit Format, Groupement, puis Regrouper. Ce nouvel objet peut être déplacé, peut être copié-collé. Pour l'agrandir ou le réduire en conservant ses proportions, dans le menu Format, on choisit Format de l'image fixe. On peut faire pivoter également le crayon pour lui donner l'orientation que l'on veut. Il pourra même venir enrichir la galerie attachée au logiciel.